La broche, étant un mélange de terre, de fibres et d'eau, représente plusieurs avantages. Premièrement, c'est écologique, moins de consommation énergétique durant la construction et moins d'émissions de CO2. Deuxièmement, ce sont des matériaux locaux qui sont réutilisables et inépuisables. La broche est un matériau isolant, donc pas besoin d'utiliser des isolants qui sont nocifs pour la santé et pour l'environnement, ce qui contribue au développement durable. Les bâtiments en bauge sont équivalents, voire meilleurs que les bâtiments BBC. D'ailleurs, d'après nos études, on peut réduire la consommation énergétique annuelle en utilisant la bauge de 20 jusqu'à 50%. Plusieurs partenaires français et anglais, architectes et scientifiques, se sont investis pour mettre en évidence l'intérêt de la bauge. L'objectif du projet Cobauge et de promouvoir la construction des maisons en bauge, vu leur intérêt écologique et performance énergétique. Notre rôle est de faire des mesures et des essais expérimentaux sur des échantillons en bauge, d'instrumenter des maisons en bauge, de faire des simulations dynamiques pour les performances énergétiques annuelles, que ce soit en France ou en Angleterre ou dans le monde entier, et quel que soit le climat. Pour la phase 1, il fallait trouver une combinaison optimale entre résistance mécanique et même performance thermique. Pour la deuxième phase, on a exploité ces résultats pour lancer la construction des deux maisons. Une maison en France et une maison en Angleterre. L'objectif est d'évaluer les performances thermiques annuelles. Est-ce qu'on a besoin de consommer beaucoup plus ou moins d'énergie pour assurer le confort des habitants? On essaie de voir le transfert d'eau, l'influence de variations de température, d'humidité. On attend encore que la construction des bâtiments finisse pour pouvoir compléter l'instrumentation et après on aura les résultats.